voix indistincte. La moiteur me mit dans un état de gênant, des picotements sur la respiration lourde et l'impression d'avoir de la fièvre. Cela, dans la douceur, avec l'idée de la douceur de la mort. Une atmosphère lourde et suffocante, comme dans le bleu du ciel, avec lequel ma situation avait de singulières analogies. La fumée encombrait la pièce, comme le petit nuage. La lampe en la fumée était tout ce qui me restait du sommeil. J'avais plus rien de tout cela. Et Marie, si loin, les signes de son corps étaient partout autour de moi. Pour cela aussi, je ne pouvais sortir. Les garder près de moi, et parce que seul et loin de ces traces tangibles, je me serais retrouvée avec les signes de mon corps où elle était tellement ancrée, et qu'alors la nausée et l'angoisse m'auraient plié en deux, sans traces physiques, avec l'angoisse seule, je n'aurais pu continuer à attendre. Et qu'en sais-je finalement? De toute façon, je la portais en moi. L'espace clos de l'appartement n'était rien plus qu'un garde-fou.